no sanitized academy exercise. In real life, enemies fight dirty. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers. Aujourd'hui, je vais vous parler de Strong Arm, de la gamme RID. Donc, comme pour Fracture, nous avons une boîte blister, voilà, carte. Donc, c'est à Deluxe Class, toujours de chez Hasbro. Donc, le même principe de boîte. Donc, nous avons l'artwork représentant le personnage ici. Le mode véhicule ici, l'artwork sur le côté avec notre perso, Strong Arm, logo Autobot, voilà son nom, voilà, Transformers ici, donc le logo RID ici, bon, moi j'ai le prix dessus, donc voilà, 19,90€, je trouve que ça va, correct. On va retrouver à l'arrière, donc, les instructions pour la transformation. Il n'y a pas de notice dans la boîte, donc il faudra garder le carton à l'arrière pour ceux qui veulent garder la notice. Donc on nous dit qu'il y a 8 étapes pour passer d'un mode à l'autre. Donc, voilà, toujours représentation mode robot, mode véhicule. Et toujours pour ceux qui ont l'appli, la possibilité de scanner le logo sur le torse du robot pour l'intégrer dans le jeu. Je vais vous présenter Strong Arm. Donc on retrouve le pick-up du dessin animé. Donc coéquipière, car c'est une femme bot. Donc c'est pas une erreur, hein, c'est bien coéquipière de Bumblebee et de Sideswipe. Au départ dans l'histoire. Donc envoyé sur Terre pour attraper des Decepticons qui se sont évadés d'un vaisseau prison. Donc ils vont rejoindre Fixit et par la suite Grimlock se joindra à eux justement pour compléter l'équipe. Donc Strong Arm a choisi comme mode alternatif un pick-up. Donc les gros pick-up américains, voilà, type F-150 ou autre monstre dans le genre quoi. Donc bleu et blanc avec le gyrophare, voilà. Véhicule de police, bon ça lui correspond bien vu que son caractère c'est règlement. Voilà, c'est un peu, on va dire bêtement, le flic de service. Donc le mode alternatif je trouve il correspond bien. Donc ce que j'ai enlevé là c'est son arme. Donc on a son blaster qui est plutôt bien détaillé. Voilà, avec des lignes de structure et donc un coup de feu, voilà, rayon d'énergie, quelque chose à l'avant. Bon, par contre, c'est pas détachable. Bon, c'est un effet, voilà, c'est un effet visuel qui donne l'impression que l'arme fait feu. Donc, on a un port ici et éventuellement les ports ici sur le côté. Je ne vois pas trop à quoi ils peuvent servir ces deux ports. Véhicule plutôt bien réalisé. Donc on a le logo Autobot sur l'avant. Les feux sont bleus, bleu clair. Même couleur que le gyrophare. Bon, à l'arrière c'est très simple. Bon, faut pas oublier que c'est des jouets. Hein. Alors malheureusement le dessous, voilà. Déjà quand on le prend en main, bon il est peut-être grand mais il donne une impression de légèreté par rapport à la taille qu'il a, c'est assez hallucinante.
Et là, on comprend mieux pourquoi. Le robot, il est très très loin d'être camouflé. Donc, un rapide comparo de taille, bah, avec Fracture. L'autre RID que j'ai. Alors là, on voit qu'il y a carrément un problème d'échelle, quoi, hein. La moto est presque plus imposante que le pick-up. Et avec son coéquipier Grimlock. Donc c'est pas tout à fait la version RID, mais bon. Un dinosaure, voilà. C'est con, hein, ils auraient dû mettre la remorque avec, hein. Parce que dans le dessin animé, on voit souvent Strongarm avec sa remorque. Grimlock qui est installé dessus sous une bâche pour le ramener discrètement. Alors là, par contre, là c'est Grimlock qui paraît un peu minuscule. Parce que normalement, un T-Rex c'est quand même assez imposant. Bon. Façon, dans les gammes de jouets de Transformers, les échelles, quand elles sont respectées en robot, c'est déjà un miracle. Alors quand elles sont respectées en véhicule. Faire un débat pour un an pour fêter la victoire. Bon, ben on va faire nos 8 étapes de transfo. Donc on commence à l'avant. On va tirer tout le capot. Voilà. Décrocher les panneaux. Les mettre de côté. On vient ensuite décrocher ici les ailes. Donc on passe ici. On a une charnière. On va replier ce panneau. Donc on a un petit ergot ici qui va se clipser. Donc on fait pivoter le tout. On vient ici, ce panneau-là, on le rabat. On vient ensuite ici, donc petit ergot ici, donc on soulève les portières. On fait pareil ici. On vient décrocher donc les ergots qui sont ici et ici. Ça va permettre de déployer les jambes. On va soulever le toit là derrière pour qu'il ne gêne pas, donc à l'aide de la charnière qui est ici. On va faire une rotation pour le bassin. On sépare les jambes. Voilà, ils sont séparés tous. Donc les jambes qui tiennent ici par des ergots. On appuie ici en haut. Ça va permettre de sortir les pieds. Ou si on peut appuyer, bah, il suffit de tirer ici en fait. Le résultat sera le même. On termine les portières comme ceci. On remonte le toit. On pousse les portières à l'arrière. On positionne les épaules et on descend les bras comme ceci. Voilà. Et nous avons donc Strong Arm. Et bien sûr, on peut lui mettre son gun dans la main. L'inutilité des picots s'explique même par le fait qu'il n'y a aucun point en mode robot, excepté peut-être ici. Peut-être le ranger, voilà, ici dans le dos. Je vais faire un rapide comparatif de taille avec mes deux autres robots. Donc, Fracture et Grimlock.
et ensuite je passerai Strong Arm en détail. Voilà donc Strong Arm aux côtés de Fracture et de Grimlock. Donc là effectivement, on va dire qu'il y a un sacré problème même d'échelle avec tout ce petit monde. Grimlock qui est censé être beaucoup plus gros que Strong Arm fait une tête de moins. Fracture est plus grand que Strong Arm. Voilà. Pratiquement plus grand que Strong Arm. Même si au niveau de la tête, ça se vaut. Mais voilà. Comme ça, on dirait vraiment que. Voilà. Strong Arm a vraiment un problème de proportion par rapport aux autres. C'est comme ça, on peut rien y changer. Donc je vais passer ce robot en détail. Donc, par contre, ce qui est vraiment bien fait, voilà, pour commencer, c'est la tête. Elle est vraiment sympa, vraiment ressemblante à celle du dessin animé. Donc profitez-en, comme pour Fracture. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de scanner le logo. Bon, on a un backpack qui à la limite aurait pu être évité. Voilà, moi je dis franchement que ce backpack aurait pu être évité. Avec simplement une petite charnière ici pour replier ça et surtout des charnières pour ramener les portes vers l'intérieur. Bon, mettre ici les portières, bon, ça fait moins de backpack. Alors ça gêne terriblement les mouvements et puis bon, ça fait Seeker sous Batman au choix. Ça fait vraiment pitié. Bon, et après il est creux hein, le backpack. C'est simplement que moi je trouve ça vu de profil horrible. Comme il n'y a rien dedans, ça empêchera pas la stabilité du robot. Donc, point de vue des articulations et des petits détails qu'on peut retrouver, donc la peinture est fidèle à ce qu'on a dans le dessin animé quand même, voilà. Comme ça, un peu des lignes un peu partout, voilà. Plastique sur les jambes, là, il est plutôt cool, lisse, brillant. Ça, c'est plutôt sympa. Contrairement un peu au plastique, voilà, des bras et des pieds qui fait... Enfin, les pieds, ça passe encore. C'est le même plastique un peu que les jambes, mais les bras là, ça fait du plastique un peu, je sais pas, ça fait un peu cheap. Donc on avait les roues que je vous ai pas montré en mode véhicule, donc sculpté quand même, avec des détails quand même, voilà. Pour un jouet, c'est pas trop mal fait les roues. Alors, point de vue des articulations, on a une épaule à 360. On peut la soulever. On a un coude qui se plie. Une rotation au niveau du coude. Alors, ce qui est très con, hein, c'est voilà les poings qui sont carrément enfermés. Limite, ce panneau, ça aurait été pas mal qu'il se plie au moins dans l'autre sens, quoi. Déjà, il y a une charnière, ils auraient pu faire en sorte qu'il se plie dans l'autre sens pour libérer un peu plus la main, parce que déjà qu'elle est enfermée. Bon, là, c'est carrément... limite, une fois qu'il est transformé, on se demande s'ils n'ont pas oublié carrément une étape. Donc, on a des cuisses, le haut des cuisses sur ball joint. Bon, bien entendu... grande amplitude de mouvement dans tous les sens. Une rotation à ce niveau-là sur un joint champignon, juste au-dessus du genou. Donc un axe pour le genou. Le pied qui peut aller d'avant en arrière, ce qui va faciliter la pose. Bon, vu la taille des jambes, il y a déjà pas mal de stabilité.
Et même si c'est lié à la transfo, on a une rotation au niveau du bassin. Donc on peut lui donner effectivement. Ah oui, alors ça aussi par rapport à la transfo, il y a les deux bras, ces pièces-là, qui peuvent bouger ensemble. Donc le problème qu'il y a, c'est que parfois quand on bouge les bras, en fait l'autre il vient avec, parce qu'en fait ça, le torse là ne verrouille pas assez quoi. Donc, niveau des poses qu'on peut faire avec le strong arm. Alors, on peut essayer de donner quand même des poses un peu dynamiques. On va très vite trouver un point d'équilibre. Alors, est-ce que je recommande ce Transformers? Désolé ma belle, je vais être méchant avec toi. Hein. Non. Pas vraiment. À la limite, vu de face comme ça, ça peut passer. Mais pour un gamin en tant que jouet, oui. Mais pour exposer dans collection. Non, franchement. Ils arrivent à faire tellement mieux. Voilà, on prend Grimlock qui a des mains qui sont libres, qui est plutôt sympa. Voilà, Fracture qui est une moto, et en général les modes moto sont assez compliqués. C'est comme les avions en fait, il y a toujours des morceaux qui dépassent. Fracture, ils ont réussi à faire quelque chose de sympa, plutôt cool quoi. Et par contre, voilà, strong arm. Voilà, moi ce qui me déçoit, c'est ça. Vous aurez pu trouver juste simplement, voilà, deux charnières, quelque chose pour plier déjà ce backpack qui sert à rien. Faire quelque chose pour les bras. Le problème, c'est que les panneaux, même si on les. Voilà, là c'est encore pire. La seule chose qui est vraiment à sauver, c'est la tête. Très belle représentation, voilà, la tête de Strong Arm. Mais sinon, le reste, la tête et le torse, voilà, on va dire. C'est ce que je préfère dans ce robot. Et le reste, voilà, est assez décevant. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.